Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques heures, j'ai commencé à faire des vidéos spéciales Fastlane 2023. On avait fait le match qui va opposer le Judgment Day, c'est-à-dire Finn Balor et Damien Priest face à... C'est à Jey Uso, hein, si je dis pas de bêtises, Jey ou Jimmy, et Cody Rhodes. Mais je pense que c'est plus Jey Uso, si je dis pas de bêtises. Cette fois-ci, le match triple menace qui va être très difficile. Qui va opposer Io Sky, qu'on dirige, parce que moi je pronostique Io victorieuse. Voilà, je la vois bien remporter la victoire. Mais je vois surtout Asuka et Charlotte se faire une guerre sans détour aucun. Elles vont se faire très mal. On aura des beaux spots de la part des deux, surtout de Charlotte qui elle aime bien faire ça. Alors toi, viens là. Mais je la vois toujours remporter la victoire, Io. Ou du moins, c'est pas qu'elle va remporter la victoire, c'est qu'elle va avoir beaucoup de mal, mais. Elle va finir avec le titre de la WWE, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres avis, est-ce que vous pensez que Asuka peut repartir avec le titre? Est-ce que vous pensez que notre amie Charlotte Flair peut repartir avec un autre? C'est ce que nous verrons. Alors toi, tu vas ici. Toi, tu vas là-bas. Et on fait... Oh, t'as de la chance. Oh, t'as de la chance. Je voulais lui sauter dessus à la base. Genre lui faire un petit coup du bélier. On n'a pas réussi. Et on a pas mal de matchs durant ce pay-per-view. Des beaux. D'autres où ça m'intéresse un peu moins. Mais c'est ce qu'il faut parfois. Parce que les matchs qui m'intéressent moins, c'est peut-être des matchs qui vont intéresser d'autres personnes. Je peux pas plaire à tout le monde. Difficile. Voilà, bien joué. Oh, magnifique ça. Magnifique. Faut pas se laisser faire. Allez, Io. Tu peux le faire toi-même si... C'est vrai que si on devait faire quelque chose, on le ferait bien ensemble, elle et moi. Et que Asuka et Io se mettent ensemble. Elle démonte Charlotte et après... On se fait la guerre. Regardez-moi ça, que c'est... Elle est trop puissante. Beaucoup... Enfin, par contre, respectez mon autorité s'il vous plaît. Je suis la championne. Aïe. Oh, j'ai fait l'esquive mais ça n'a pas suffi. Donc si vous voulez pronostiquer, il n'y a pas de souci. J'avoue, tout est possible. Asuka peut reprendre le titre, Charlotte aussi pour la 74 millionième fois. Ou on peut laisser la championne montrer qu'elle en a. Après, il peut y avoir une intervention de quelqu'un. C'est pas impossible. Et ben non, qu'est-ce qu'elle nous fait Asuka? Pas du tout. Bien joué, ça. Mais toi, va là-bas. C'est bon. Viens, Charlotte. Viens maintenant. Now. In the wing, please. Voilà. Olé. Attention. De toutes tes forces. Let's go. Parfait. Ça, c'est très bien. On peut même tenter un tombé, tu vois. Sait-on jamais. Une petite embrouille. Non, malheureusement, ça n'aura pas suffi. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas perdu beaucoup de vie. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Ok. Dans cette soumission, la prise du cobra. Elle n'a aucune chance. Elle ne peut pas s'en détacher. Ah mais si, elle s'en détache. Tant mieux. Battez-vous entre vous. Ah, moi aussi, je vais prendre l'objet. Hop là, le shinai. Alors là, personne ne prend d'objet, hormis... Non mais, hormis... Aïe, aïe, aïe. Bien joué. Est-ce que ça peut se contrer, ça? Oh, ça pouvait se contrer. Mais c'était tellement limite. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. S'il te plaît, arrête, aïe, aïe, aïe. Un coup, ça fait mal. Deux, ça le fait encore plus. Oh, en plus, Charlotte, opportuniste. Ça ne suffira pas. Nous pourrons pas... En y pensant, j'ai complètement oublié de faire une vidéo qui parlait de ma superstar préférée. Ah, peut-être que j'en ferai dans la semaine, c'est la semaine prochaine. J'aurais dû la faire dès la semaine dernière, mais j'ai pas pensé. Complètement oublié de parler de Edge, bien sûr, qui a signé à la AEW, ma superstar à moi. Et pour dire les bonnes choses que ça va donner. D'autres mauvaises choses, parce qu'on on le reverra plus, du moins, avant la fin de sa carrière... à la WWE, mais aussi
ça fait qu'on n'aura pas de mode showcase de Edge, mais on en parlera, j'en ferai une vidéo vraiment pour parler de tout ça. Mais on lui souhaite bien sûr le meilleur, il a fait ce choix pas pour rien. Oh, c'est qui là? Charlotte. Boum. Charlotte, oui. Au sol, Charlotte. Mais... Ah tiens, hein. Je lui ai mis 3 ou 4 coups, je sais plus. J'ai... Aïe. Ah bah tu me mets un coup, ça y est, je suis au sol. Je sais même plus comment je m'appelle. Alors que là... Non, non. Non mais... Tape là. Pourquoi t'as pas voulu la taper? Oh, ça fait mal. Mais par contre, pas déconner. Je vais rester sur le ring. Allez, je vous attends. J'en ai marre d'attendre, moi. Bon, je peux pas la taper avec ça. Ah, moi, je tape tout ce qui bouge. J'en profite. Voilà. Je défonce tout. Et j'avoue, celle qui me fait le plus peur maintenant tout de suite, c'est Charlotte. Alors, pas vous mentir. C'est elle qui me fait le plus flipper. Et voilà. Pourquoi me fait flipper? Parce qu'à contre, mes coups. Olé. Oh, magnifique ça. Bien joué. Non, 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 non. C'est sur elle qu'il faut. C'est elle qu'il faut taper. Regarde. Viens à toi. Viens sur le ring. Allez, viens, viens, viens. Tout de suite, on a peur de venir sur le ring. Je peux comprendre. Quand c'est la championne qui provoque, plus personne ne vient. Ouf. Ça fait mal. Allez, viens, Asuka. C'est toi et moi. Tu vas voir, regarde. Petit enchaînement. Ah, mais genre. Au secours! Charlotte! Au secours! Aidez-moi! Ah! C'est bon. Ça va. Ah mais pourquoi tu m'attaques moi? Pourquoi? Aïe aïe aïe. Ah, ça fait mal. Aïe aïe aïe. Non! Non! C'est mort. Et un. Et deux. J'ai une petite crampe au doigt. Pour appuyer, et malheureusement ça n'a pas suffi, mais je l'avais dit. Ah, je l'ai... Ah ouais, c'est dommage. Bah, c'est la personne qui a le plus d'expérience, enfin du moins à la WWE, qui a remporté la victoire. Charlotte Flair remporte le titre, bon c'est pas le bon titre, mais on s'en contentera. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à pronostiquer, et peut-être c'est ce qui arrivera au show, on sait jamais. Comme ça j'aurais dit, j'ai perdu le combat, mais c'est normal, c'était pour vous montrer qu'elle est vraiment gagnée. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut.